Qu'est-ce qu'une forest session? C'est simple, ce sont des gens dans la forêt, on coupe des arbres. Et ben on les met ensemble, ils travaillent ensemble, ce sont des musiciens qui travaillent dans plein de groupes. Et là, du coup, ils créent de la musique, ils font un concert. Chacun sort son instrument et il en sort une mélodie. Musique maintenant, Pierre Sevron? Oui, bien sûr. Je sais que vous adorez ça. On va parler maintenant de la forest session qui se déroulera le 11 février prochain au Grand Mix à Tourcoing avec notre invité Pascal Descamps. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors avant d'écouter la musique, on se rappelle ce que c'est que le principe de cette forest session? Très rapidement, quelques mots, collectif éphémère. Partouze musical. Partouze musical. Ouais. Très bien, parfait. Moi j'aurais dit shaker. Oh, voilà, très bien, merci. 15 musiciens qui se mélangent pendant 3 jours. De plein de groupes différents. De plein de groupes différents, loin dans un lieu où on ne sort pas pendant 3 jours. Et qui font de la musique. Et ils bossent quand même. Du classique, plutôt du rock. Plutôt du rock, quand même. Hein, c'est de la même tendance. On va se mettre dans l'ambiance avec Forest Session. Tous les groupes vont s'appeler Forest Session hein, pour cette soirée du 11 février. Oui, c'est la Forest Session qui se présente. Forest Session. On va écouter. Alors, il y a Aurélien de Marvin Hood, Thomas du Duke Factory. Il est où, Thomas? Le Duke. Il est là, le Duke Factory. Marcus de Château Brutal et Robin des Radical Suckers. Écoutons maintenant en live Everything's. OK. Bravo, Forest Session avec Everything's OK. En fait, ça, c'est totalement improvisé en un week-end, cette chanson, c'est ça? C'est là, en 2 heures. Vous êtes très, très fort. Aurélien qui vient nous rejoindre pour discuter. Pour créer de zéro. Bonsoir. Ou d'adapter quelque chose que vous aviez déjà et de vous entendre avec les autres musiciens? Alors, c'est vraiment à zéro, quoi. C'est assez flippant parce qu'on vient tous de groupes, on joue avec des gens avec qui on a l'habitude de jouer, donc on fait des trucs assez préparés. Il y en a un qui prépare le morceau dans sa chambre, après on l'amène en répète, on essaie de voir. Et là, c'est vraiment assez flippant parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas. On va se dire, on a une idée, ça part. C'est l'étranger, toujours un peu un ennemi. Oui. Non, c'est faux. Je suis moi-même tchétchène, donc je sais de quoi je parle. Mais en fait, non, donc c'est vraiment, au début, on se dit, on ne va jamais y arriver, c'est pas possible, en 2 heures, impossible de faire un morceau. Puis au final, on commence, on en fait 1, 2. Et... Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce sont les affinités des uns et des autres qui Ça dépend. Des fois, il y en a 3 qui commencent un truc dans un coin, puis ça finit à 8 parce qu'il y en a qui se ramènent, j'ai une idée si on faisait ça. Ouais, génial. Quoi. Des fois, on commence à 8, ça finit à 3 aussi, ça dépend. Mais non, c'est assez. Parce que la création, c'est ça. Ça vient ou ça vient pas. Là, c'est obligé de venir. Parce que sinon, c'était. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de participer à cette aventure? C'est l'invitation de Pascal, en fait. Parce que ça fait 3 éditions. C'est la 3e, oui. 3e édition déjà. Donc, on a en plus entendu parler de ceux qui l'avaient fait des éditions précédentes. Ils disent, oh, putain, c'est trop bien. On est dans un chalet pendant 3 jours, c'est génial. On veut venir. Donc voilà. Est-ce que ce sont des rencontres éphémères, parce que ça existe depuis 3 ans? Est-ce qu'il y a des groupes qui se sont formés, ou est-ce que c'est vraiment la magie de l'instant et puis terminé? C'est d'abord la magie de l'instant, effectivement. En plus, les groupes, les personnes ne reviennent pas d'une année sur l'autre, en fait. Donc c'est une magie de l'instant. On a le droit à un coup. On a le droit à un coup. D'accord. Pas se louper.
Ah, il ne faut pas se louper. Par contre, c'est vrai qu'il y a des rencontres qui se font et qui peuvent déboucher, qui ont déjà débouché sur des nouveaux groupes qui se forment un petit peu après. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, de cette expérience, Aurélien? Un peu mal au crâne quand même. Mais non, si, bah, c'est en fait. À force d'avoir beaucoup travaillé, c'est ça que vous dites. Après l'avoir fait, on se dit quand même qu'on devrait faire ça au moins, moins une fois tous les 15 jours, ça fait quand même vraiment beaucoup de bien. Quoi. Puis c'est assez riche et intense et surprenant aussi. C'est vraiment. Le but, c'est de se faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas. On est trop dans sa chapelle quand on est dans le petit groupe qu'on a quand fondé. On est dans, ouais, c'est ça, on est dans un groupe. Et ben, c'est, puis après, là aussi, c'était vraiment faire de la musique pour faire de la musique. Il n'y a pas de. À part le concert qu'on fait là samedi. Le but de. Bah, on va monter un groupe avec un style de musique donné, des références, un son, etc. Là, c'est vraiment tout ce qu'on ne peut pas faire en plus dans nos groupes d'habitude. Là, on se lâche, ça donne des trucs assez. Comment vous avez fait? Vous avez bien isolé les meubles, enfin les pièces ou pas? Parce que quand ça joue partout, ça va être un sacré foutoir chez vous. Bah, la maison, elle est à 1 km de la moindre maison, donc on fait du bruit. Ah oui, d'accord, vous pouvez faire du bruit en fait. Toute la nuit, on peut faire du bruit. J'essaie de faire pareil chez moi. Berger. Comment? J'essaie de faire pareil chez moi, mais les voisins l'ont même pas. Ça marche pas. C'est une forêt session, on est vraiment dans la forêt, enfin, et loin de tout. Comment vous sélectionnez, vous, les groupes qui viennent dans cette forêt session? La question dure, là. Eh oui. Elle est dure, cette question. À force de faire des concerts. Surtout pour ceux qui n'ont pas été pris. À force de faire des concerts, à force de voir des gens, et en demandant aussi aux musiciens qui sont venus précédemment de voilà qui passerait et humainement et musicalement pour bien passer sûr. 3 jours ensemble. Alors le résultat est à découvrir au Grand Mix, oui. C'est samedi 11 février, ça coûte 5€ l'entrée, c'est pas très cher, oui, et ça commence à partir de 20h la soirée, donc Forest Session, 3e édition de ce rendez-vous avec, oui, il y a du monde quand même, combien de musiciens? Bah, il y a 15 musiciens, mais en fait, après, il y a des personnes qui sont sur place et qui, à un moment, viennent chanter, etc. D'accord. Donc, il va y avoir une vingtaine de personnes qui vont passer un sur scène. Un gros bœuf géant, vous allez nous proposer. Merci beaucoup à tous d'être venus sur La Grand Place et bon succès. Tout de suite, la météo avant de se quitter.